Avec une puissance de 600 MW, le groupe 5, opérationnel depuis 1984, constitue avec le précédent groupe 4 de 250 MW la centrale thermique de Provence, construite au cœur du gisement de charbon de Gardanne-Méreuil, entre Aix-en-Provence et Marseille. D'un emploi particulièrement souple, le groupe, à la demande d'électricité de France, doit faire face très vite aux pointes de consommation. Mais il peut néanmoins fonctionner en continu. Sa construction a débuté en 1980. Tout ici est en hauteur. La cheminée culmine à 300 mètres afin de diluer et de diffuser les effluents gazeux dans les meilleures conditions selon les normes réglementaires. À peu de distance, a poussé une étrange forêt de piliers. Ses troncs élancés s'inclinent selon des angles minutieusement contrôlés. ...110 mètres de diamètre. 136 mètres de haut. C'est la structure du réfrigérant du groupe 5... ...qui n'évapore pas moins de 1100 mètres cubes d'eau à l'heure. La chaudière sera suspendue, ici, à 120 mètres au-dessus du sol. Son poids, 10 000 tonnes. Pour la soutenir, une cage géante, cette charpente qui a requis l'emploi de 14 000 tonnes d'acier. ...51 mois de travaux. C'est un temps record pour un tel chantier... ...dont l'enveloppe financière, fixée en 1980 à 2 milliards de francs... ...a été strictement respectée.
À pleine puissance, les groupes 4 et 5 pourraient fournir à l'agglomération marseillaise une fois et demie sa consommation en électricité. Pour alimenter le groupe 5 en charbon, à raison de 350 tonnes à l'heure, 7 broyeurs de grande puissance. ...99,7% des poussières sont récupérées par cette batterie de 5 filtres électrostatiques. Les voltigeurs ouvrent la future voie du charbon entre la mine et les silos de la centrale. Le chantier aura mobilisé jusqu'à 1200 ouvriers et exigé plus de 4 millions d'heures de travail. La chaudière, par exemple, 44 000 soudures, 650 km de tubes. Labeur de spécialistes qui ont peu à peu créé ce fantastique jeu d'orgue de l'énergie. Parmi les dernières étapes d'une planification rigoureuse, l'arrivée de l'alternateur. Les installations du groupe sont surveillées et gérées automatiquement. 25 fois par seconde, 1500 données sont enregistrées sur ordinateur. Pour réduire d'au moins 60% la quantité de soufre rejeté dans l'atmosphère, on a élaboré un prototype mondial. Il doit son efficacité à une injection de chaux au-dessus des brûleurs dans la chaudière, puis à un apport de calcaire dans le charbon avant broyage. Ainsi, la clarté du calcaire ponctue la trace sombre du charbon. Un organisme indépendant de l'entreprise gère, entretient et contrôle un réseau de surveillance de l'atmosphère.
De même, la pureté des eaux rejetées est contrôlée et vérifiée en continu. Dans le respect de l'environnement, le groupe 5 fournit à la région une part de l'énergie qui lui est nécessaire.